Transvision 2022, organisé par l'Association française transhumaniste. Merci à vous à tous les trois de nous rejoindre. On reste dans de la bio pour cet après-midi, dans du wet, comme disaient certains, mais pour aller vers un aspect quand même assez différent de ce dont on a traité jusqu'à présent. Mais je pense que c'est une dimension tout à fait importante de la réflexion transhumaniste, à savoir tout ce qui concerne la procréation et notamment les avancées en cours dans le domaine de la procréation. On part de choses très très actuelles et très débattues, à savoir tout ce qui tourne autour de la procréation médicalement assistée, mais on va élargir ensemble vers des processus qui là aussi sont dans les labos et donc on pourra aborder d'une part tout ce qui a rapport à l'évolution des rapports de genre à travers et au-delà de ces questions-là éventuellement les impacts sur les relations sexuelles et puis on poussera encore un petit peu le bouchon au moins en mettant sur la table un peu plus que ce qu'on en a parlé jusqu'à présent la question de l'utérus artificiel à peu près notre programme pour cette table ronde. La première question, au-delà de vos propres présentations et de des premières réflexions que vous porterez sur ce champ de réflexion là, je vous propose quand même la première question. Ça vous permettra d'y réfléchir en même temps. Elle est toute simple. C'est de se demander parmi toutes ces évolutions en cours, lesquelles vous paraissent davantage souhaitables et pour quelles raisons. Je vais peut-être d'abord donner la parole à Sandrine Ngachou. Ensuite, dans un deuxième temps, je vais le faire dans cet ordre-là, plutôt à Jean-François Gervais, et je terminerai par Jean-Noël Missa. J'ai ma petite idée, pourquoi. On a le deuxième micro. La question, parmi les évolutions technologiques sur la procréation, quelles sont celles qui me paraissent... C'était quoi celles qui me paraissent Oui. Celle qui paraît souhaitable, plus importante, peut-être au cours du court, moyen ou long terme. Je dirais le PGT, mais parce que je parle en tant que personne noire, voilà. Je dirais le PGT en fait, monogénique en fait. Précisons les termes, voilà. On ne sait pas oui, pour tout vrai. Le public. Le PGT en fait, c'est le diagnostic génétique pré-implantatoire en fait. Monogénique, c'est sur les maladies génétiques. Par exemple, aujourd'hui, enfin avant, les personnes noires sont touchées par la drépanocytose. Il y avait les femmes attendant au troisième mois de grossesse. En fait, il y avait un prélèvement qui était fait directement à travers une sonde, à travers l'utérus. Alors qu'avec le PGT, en fait, on peut déjà faire une fécondation in vitro et analyser l'embryon et pouvoir déceler si oui ou non il est porteur du SS en fait, les maladies génétiques au TSS pour la drépanocytose. Voilà celle que je dirais qui est quand même déterminante parce que voilà, je travaille aussi beaucoup effectivement sur, vous avez parlé des notions de genre, mais également d'autres notions qui rentrent en compte effectivement sur le transhumanisme. Est-ce que Sandrine, tu veux en profiter pour quand même présenter toi-même dans quel cadre est-ce que tu fais ce travail, dis-nous. En fait, voilà, moi je suis Sandrine Gatchou, j'ai été patiente de l'AMP, enfin de l'assistant médical à procréation. J'ai travaillé également sur la révision de la loi de bioéthique en tant qu'activiste sur la santé reproductive, mais des personnes noires en fait. Je pourrais après détailler pourquoi en fait, parce que sur la santé, il y a énormément de disparités sur les avancées technologiques, enfin notamment en procréation entre les personnes noires et les personnes blanches en fait. Notamment, je prends l'exemple sur l'édition du génome, on a un génome assez varié. Nous, les personnes noires, dont il y a une revue qui était parue aux États-Unis pour indiquer que aujourd'hui la plupart des recherches ont été faites sur les personnes blanches, mais qu'en est-il de nous, quid? On loupe quand même une bonne partie en fait de la recherche, de la scientifique, si on n'analyse pas effectivement les génomes des personnes noires. Voilà, donc là à peu près. Merci, Jean-François. Oui. Bon, moi pour situer, je suis sexologue. Donc je tiens à ce que le sexe soit bien sûr reproductif, mais depuis longtemps il n'est pas que reproductif, il est aussi hédoniste ou érotique, prenez le mot que vous voulez. Et donc je m'intéresse aussi à la question de si on vit 1000 ans, est-ce qu'on vivra avec une belle sexualité durant 1000 ans?
sachant que à partir d'un certain âge, les gens viennent consulter en disant que ça va. Je connais cet âge, hein, donc je peux en parler. Ils viennent consulter en disant est-ce que la médecine peut m'aider un petit peu. Donc c'est un découplage relativement récent, parce qu'au XIXe siècle, il était indécent qu'une femme ménopausée ait une belle sexualité. Et maintenant, on voit aussi, en partie, des femmes qui disent « Enfin, j'ai plus peur d'être enceinte et je m'en donne à cœur joie. » Donc, il y a une évolution très forte. Alors, il y a des évolutions certaines, l'érection est plus lente, la lubrification est plus lente, etc., etc. Mais peut-être qu'il y a aussi à découvrir une autre sexualité pour l'âge, et si l'âge dure 1000 ans, ça vaut vraiment le coup. Je fais juste un point aussi, on a dit ce matin avec Laurent Alexandre, les facteurs qui peuvent améliorer la longévité pour l'instant. Alors le facteur numéro un, c'est un peu d'exercice et pas trop. Oui, on gagne 3 ans de vie. Et puis, il n'a pas cité que une bonne sexualité, ça fait gagner entre 2 ans et demi et 3 ans de vie. Une bonne sexualité, c'est pas un nombre de coïts par mois ou par semaine. C'est une sexualité déclarée satisfaisante par la personne. Et ça, il y a des études suédoises refaites à Édimbourg qui le confirment. Donc, c'était bien ici de citer aussi que c'est un facteur de longévité, cette bonne sexualité. Jean-Noël ? Oui, je pense qu'il y a un ensemble de savoirs et de technologies qui vont permettre peut-être, dans les années à venir, un eugénisme libéral de plus en plus sophistiqué, mais il n'y a pas une technologie en particulier. C'est un savoir qui s'est accumulé au cours des peut-être 70 dernières années, et je pense peut-être déjà à la découverte de la structure en double hélice de l'ADN, puis le code génétique, et puis dans les années 70, les premières procréations médicalement assistées, le programme génome humain, la possibilité de faire des diagnostics prénataux et puis préimplantatoires dans les années 90, le séquençage au début du 21e siècle, et puis maintenant, bien sûr, les facteurs de croissance de Yamanaka et des outils plus sophistiqués pour recombiner l'ADN, en particulier le CRISPR-Cas9. Et donc, l'ensemble de ces technologies, sans a priori philosophique, moi je suis pas transhumaniste, je suis plutôt libéral, donc je suis ouvert à l'utilisation de ces technologies sans en être un avocat. Je pense que l'ensemble de ces technologies vont rendre possible, peut-être si on le souhaite, si la société le souhaite, un eugénisme libéral, c'est-à-dire la possibilité de passer du destin génétique au choix génétique. Alors, est-ce souhaitable ou pas? Ça, c'est un problème éthique et philosophique. C'est pas uniquement un problème éthique, c'est une perspective presque esthétique sur le monde. Il m'est venu une question que j'avais pas en tête, mais c'est mon travers d'historien byzantinologue qui doit revenir. J'avais envie de vous demander plus exactement, est-ce que vous considérez ou pas que justement dans cette série d'avancées technologiques, en relation avec la pensée transhumaniste, il faudrait mettre ou pas des éléments comme la contraception, enfin tout ce qui s'est développé autour du XXe siècle et qui interviennent dans notre biologie de manière parfois très très invasive, principalement les femmes jusqu'à aujourd'hui, parce que la contraception pharmaceutique pour l'instant concerne surtout les femmes. Est-ce que on peut en parler en termes de transhumanisme, ou est-ce que vous pensez que c'est un abus de parler de ce type de technique là dans le cadre du transhumanisme? Sandrine, si tu veux. Effectivement, donc femme, parler de la pilule contraceptive comme une avancée, enfin pour moi le transhumanisme c'est effectivement l'améliorer, effectivement la partie le corps humain à l'améliorer, mais les pilules pour beaucoup de femmes en fait c'est quelque chose de négatif sur leur corps. Certes, ça permet de contrôler les naissances, mais est-ce que les effets secondaires que l'on subit avec les pilules contraceptives, on peut l'intégrer dans le transhumanisme? Quid? Enfin, là, je laisse une question ouverte, là. Voilà. Moi, je ne pense pas. Donc, parce que ça crée, par exemple, pour une femme noire, par exemple, les pilules, on est sujette à beaucoup de fibromes. Ben, c'est un inducteur.
les pilules. Donc ça veut dire que ça on résout un problème en créant d'autres problèmes. Donc voilà, donc ça aussi, enfin je ne sais pas. Donc voilà, la question est. Oui. Ben, pour moi, la contraception, c'est la base d'un certain humanisme. Alors, le transhumanisme, j'espère que ça respectera au moins tout l'humanisme et un peu plus. Donc, revenir sur un acquis de l'humanisme au nom du transhumanisme, non, c'est pas possible. Hein? Sinon, je réponds. Alors, juste un point. Tu nous as lancé sur l'utérus artificiel. On va y revenir. Ah bon, d'accord. Oui, oui. Okay. Jean-Noël, est-ce que tu répondrais à cette question? Est-ce que tu penses qu'on peut interpréter, ne serait-ce pas, c'est une interprétation, la technique donc de la pilule, donc sous l'angle du transhumanisme, ou est-ce que tu vois des contradictions dans cette interprétation? Écoute, j'ai pas vraiment réfléchi à cette question. A priori, je répondrais plutôt non. C'est simplement un outil qui nous permet d'avoir des relations sexuelles sans faire des enfants. Ce qui présente pas mal d'avantages, mais je ne sais pas s'il y a vraiment des conséquences transhumanistes à l'utilisation du contraceptif. D'accord. Je me permets de dire. Tu es dans ta position personnelle puisque tu poses la question. Tout à fait. Peut-être que tu. Oui, oui. Enfin, moi, j'allais dire. En effet, ma réflexion à moi est que si on prend la définition stricte du transhumanisme, qui consiste à dire que c'est l'utilisation de la technique pour chercher une amélioration de la condition biologique de l'humain, et que on renvoie également au fait de la liberté. Et la liberté morphologique, dans toute son acception en général, eh bien, il me semble que ça n'est pas contradictoire, parce que c'est un choix individuel, et que même s'il y a des effets divers qui peuvent être en partie négatifs, on crée certains problèmes, on en résout certains et on en crée d'autres, la personne qui constate cela et qui continue à l'utiliser, je me dis que ça veut dire qu'au total, tout bien considéré, elle considère que c'est une amélioration pour sa propre vie et sa propre condition biologique. C'est ma manière à moi d'interpréter la chose et de considérer qu'il n'y a pas de contradiction. Mais je sors un petit peu de mon rôle. Donc voilà, on va en effet un petit peu avancer. Oui, bien sûr. Sur le côté, parce que vous parlez de. Parce que moi, je rebondis sur la sexualité, parce que oui, une amélioration, on gagne 2 ans de plus en ayant une belle sexualité. Et pour les personnes sujettes aux fibromes, avec les pilules, mais parfois, les fibromes ne permettent pas d'avoir une belle sexualité. Donc, enfin, dire que c'est dans le cadre du transhumanisme, c'est encore une fois, enfin, là, je parle en tant que femme et en ayant utilisé pendant des années la pilule contraceptive. Enfin voilà. Et là, j'ai un panel d'hommes. En fait, vous n'avez pas utilisé la pilule contraceptive. Voilà, vous savez pas ce que ça fait sur nous, les femmes. Donc du coup, voilà. Enfin, enfin, le dire ça que c'est du transhumanisme, je crois pas. Pour moi, non. On utilise parce qu'on n'a pas le choix aussi nous, les femmes. Enfin voilà, c'est qu'on a essayé pas mal. On a essayé le stérilet. Enfin voilà, c'est qu'on a peut-être pas le choix et on l'utilise. C'est pas que c'est une amélioration. Oui, nous sommes d'accord. S'il n'y a pas de choix, si c'est une contrainte, on n'est plus dans ce cadre-là. Sandrine Gatkachou, je voudrais en fait te redonner la parole pour passer à une autre dimension de notre débat que tu as tout juste évoqué, parce que je me rappelle t'avoir entendu aborder certaines particularités, certaines situations particulières devant lesquelles se trouvent notamment les femmes noires dans un parcours de recherche de maternité et se retrouvant donc avec la nécessité de s'adresser à une forme de procréation médicalement assistée, de s'adresser aux sécos notamment, et elle se retrouve, autant que je me souviens, devant des difficultés que, en général, disons, dans le monde occidental, en Europe, on n'imagine pas une seule seconde. Or, il me semble que ça amène à tout un questionnement qui est important et qui est, à mon sens, encore une fois, utile du point de vue de la réflexion transhumaniste. Est-ce que tu peux nous rappeler comment ça marche? Oui, en fait, pour les personnes noires, enfin, les personnes noires qui sont en situation d'infertilité avec une demande de gamètes, parce qu'on peut avoir une situation d'infertilité ou que ce soit le cas des hommes ou de femmes, où ils ont besoin dans des spermatozoïdes, une femme dans d'ovocytes, effectivement, c'est compliqué parce que la société occidentale reste une société blanche. Donc, du coup, le besoin de gamètes, en fait, faut permettre de pouvoir procréer, enfin, continuer à vivre la maternité, à la fois la paternité pour l'homme ou la femme, c'est finalement
finalement avoir besoin d'un don. Et ce don-là, les personnes noires sont face à des difficultés, notamment sur l'accès aux gamètes, parce que voilà, il y a à la fois pour des croyances culturelles, à la fois effectivement les moyens qui n'ont pas été mis par le SECOS à l'époque, parce que pour parler que de la société française, on ne voit pas les communautés, mais ça existe les communautés, donc on ne pouvait pas adresser dans les médias dont les communautés utilisent, ont l'habitude d'écouter, donc du coup on n'a pas beaucoup sensibilisé. Mais aussi, hormis en sortant un peu du microcosme français, on peut aller aussi en Europe. L'Europe, par exemple, voilà, moi j'étais à Milan cet été, enfin au mois de juin en fait, au sein de l'European Society Human Reproduction and Embryology, dont j'ai fait un plaidoyer en disant qu'il y a peut-être à travailler avec les cliniques en Afrique, en fait, notamment pour les personnes noires, pour accéder aux gamètes, aux embryons. Mais ça ne résout pas aussi le problème, parce que oui, ça permet également d'améliorer des choses, notamment sur l'infertilité, mais le marché procréatif international, en fait, le gamète, en tout cas le phénotype noir, c'est pas un gamète qui a une valeur importante sur le marché des embryons. Donc, enfin, oui, les technologies nous amènent beaucoup de choses, nous apportent beaucoup de choses, mais également, il faut s'interroger aussi, nous qui sommes dans les sciences, moi je suis quelqu'un de science, une technophile, de savoir nos biais, effectivement, l'approche qu'on a, effectivement, dans la manière dont on va trouver des solutions pour pouvoir pallier un problème. Parce qu'il y a des biais, donc voilà, pourquoi l'embryon de phénotype noir vaut moins sur le marché procréatif. Voilà. J'ajouterais un point aussi, c'est que les deux genres ne sont pas égaux. Parce que donner son sperme, c'est très facile, il suffit de se masturber en 10 minutes, et donner un ovocyte, c'est compliqué, il faut aller à l'hôpital, etc. Et en France, on manque d'ovocytes. Et je connais personnellement des gens qui sont allés acheter un ovocyte en Espagne, parce que en France, la vente d'ovocytes est interdite pour des tas de raisons assez éthiques. Parce que vendre quoi que ce soit de son corps est interdit par la Constitution. Mais du coup, vendre un ovocyte est interdit. Donc il n'y a que du don d'ovocytes. Et comme ça prend du temps, eh ben il n'y en a pas beaucoup. Il y a quelque chose à réfléchir. Et j'avoue que je ne sais pas ce qu'il faudrait faire, mais je suis perplexe. Jean-Michel, est-ce que tu veux réagir maintenant? Dis-nous, sinon je vais pousser encore un petit peu plus loin le bouchon. Oui, ben simplement, j'ai été longtemps membre du comité consultatif de bioéthique en Belgique et je me rappelle à l'époque, il y avait eu un avis sur le don d'ovocytes et certains membres du comité avaient plaidé pour qu'on autorise, à cause de la pénurie d'ovocytes justement, une sorte de commercialisation du corps, de vente d'ovocytes dans des situations bien précises. Donc il y avait une ouverture quand même. Enfin, c'est des situations similaires à celles des organes lorsqu'il y a pénurie d'organes. Enfin, certains. En Belgique. Là, en l'occurrence, c'était un avis du comité belge de bioéthique, oui. D'accord. Mais apparemment, tel que tu l'exprimes, ça n'est pas allé plus loin. C'est resté au stade d'avis. Je pense que ça a été proposé parce que en Belgique, les avis du comité consultatif de bioéthique ne se font pas nécessairement comme en France à la majorité. On peut avoir dans les conclusions des avis de certains membres ou d'une minorité qui défend d'un autre point de vue. D'accord. Je pousse donc un petit peu le bouchon, comme j'aime dire, parce que à partir de cette interrogation que porte ce que tu décris, Sandrine, en tant que transhumaniste, moi et quelques autres, je pense, nous pouvons nous poser la question, est-ce que si à un moment donné, on avait la possibilité technique et assurée d'intervenir par de l'ingénierie génétique pour faire en sorte que ce type de choix soit possible, est-ce que ça ne serait pas souhaitable? Et dans quelle mesure est-ce que la question éthique qui se pose dès qu'on a l'impression qu'on ouvre quelque chose comme une boîte de Pandore, est-ce que donc ce sont des arguments irréfutables que de dire que non, enfin il est impensable de modifier génétiquement un embryon, par exemple pour choisir la couleur de la peau de l'enfant
à naître, de la même manière que, par exemple, la totalité des conseils d'éthique en Europe se refuse à permettre de l'ingénierie génétique pour choisir, que sais-je, la couleur des yeux, par exemple. Hein, finalement, la couleur de la peau, la couleur des yeux, c'est à peu près du même ordre. Donc, jusqu'à présent, il y a globalement un consensus pour dire c'est impensable, c'est donc la porte ouverte à de l'eugénisme. Si on commence à toucher à ça, alors on va faire en sorte que toutes les parents auront tendance à chercher le théorique enfant parfait, et donc voilà, il est impensable d'ouvrir cette chose-là. Ou bien est-ce qu'on doit penser ce type de questions différemment, peut-être dans d'autres contextes? Comment tu répondrais à ça? Moi, j'ai beaucoup eu cet échange-là pendant la révision de la valeur bioéthique. En fait, on choisit déjà. Enfin, je sais pas. Quand vous choisissez votre conjoint ou votre copain, vous regardez la couleur de ses yeux, de ses cheveux. Enfin, on le fait déjà. Enfin, pour moi, avoir été dans la MP, en fait, les gens, dans les critères, c'est la couleur des yeux, hein, la couleur des cheveux, le degré de blondeur du donneur de sperme. Enfin, les gens font déjà ce choix-là, en fait. Après, enfin, pour moi, je suis quelqu'un qui est plutôt libéral, comme Jean-Noël. Je ne suis pas pour la fémétude, mais c'est plutôt à chacun de s'interroger effectivement dans le choix ou l'action qu'on porte, quel projet société on veut créer, en fait, c'est tout. Moi, c'est vraiment ça, en fait. Donc moi, enfin, que quelqu'un fasse un choix de pouvoir modifier la couleur des yeux, il fait déjà le même choix pour le don de sperme, hein, non, ça change rien, en fait, il continue, c'est juste un processus de continuité. Mais est-ce qu'on veut une société uniforme? Voilà. Alors, bon, la couleur des yeux, c'est peut-être pas la question principale. La question, c'est l'eugénisme libéral. Est-ce qu'on a la possibilité, encore théorique aujourd'hui, à moyen terme ou à long terme, d'intervenir directement sur le génome d'embryon pour sélectionner un certain nombre de gènes qu'on considère favorables pour l'enfant? Alors, ça me fait penser au début du film Gattaca, où vous avez deux médecins qui sont devant le couple des parents qui souhaitent choisir le meilleur embryon possible pour qu'il puisse participer quand il deviendra adulte à la conquête spatiale. Et à un certain moment, le médecin explique que c'est encore simplement la technologie du diagnostic préimplantatoire, donc une technologie très 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 simple, hein. C'est fin des années 90, ce film date de la fin des années 90. Et puis le médecin dit, voilà, on a choisi le meilleur embryon pour vous. Avec des yeux bleus, des cheveux châtains, etc. Alors la maman dans le film, l'actrice, est mal à l'aise et répond, mais on voudrait laisser certaines caractéristiques au hasard. Et le médecin la reprend en disant, mais pas du tout, il faut donner le meilleur départ possible à l'enfant. Donc ça, c'est la base de, et c'est d'une certaine façon le rêve des eugénistes libéraux, avec la belle métaphore de Nozick dans son bouquin Anarchie et Utopie. Donc c'est l'idée d'un supermarché génétique. C'est vraiment une métaphore, et aujourd'hui c'est pas du tout possible. Alors est-ce que c'est souhaitable? Alors encore une fois, je suis pas transhumaniste, et quand j'ai eu des enfants, c'était les années 90, je me suis à aucun moment posé la question du génome de mes futurs enfants. Tout s'est heureusement bien passé. Mais à partir du moment où on a une technologie, et c'est pas encore tout à fait le cas, parce qu'on a les outils maintenant qui permettent de couper et coller l'ADN, mais à part la malheureuse expérimentation des Jiankui, il y a des expérimentations in vitro sur l'embryon, mais pas de réimplantation. Mais le jour où ces technologies seront possibles, je veux dire, c'est la technologie qui change la donne. Et donc, si vous avez la possibilité de corriger les erreurs dans le génome de votre futur enfant, on sait qu'il y a des choses qui ne sont pas nécessairement agréables, des gènes qui prédisposent à des cancers ou à des risques de cancer, à des maladies d'Alzheimer, etc. Si vous avez, avec très peu de risque, la possibilité d'intervenir pour corriger, à ce moment-là, la question se pose. Et je pense que c'est, enfin moi je suis plutôt libéral, donc je pense que ce sera aux parents de décider, mais vous avez des points de vue différents, et ce n'est pas nécessairement des questions uniquement éthiques, parce que, en fait, on considère que l'éthique, on considère trop souvent que l'éthique c'est quelque chose de monolithique, que c'est éthique ou que c'est pas éthique. Alors que, on voit bien en philosophie morale, vous avez différents courants, vous avez les utilitaristes, les libertariens, les égalitariens, les kantiens, ils ne sont pas d'accord entre eux. Et de la même façon, face aux transhumanistes, on distingue souvent les penseurs bioconservateurs. Donc Michael Sandel va vous dire, mais il faut respecter le donné naturel, mais pourquoi respecterait-on nécessairement le donné naturel? Alors il y a néanmoins un certain nombre de facteurs qui sont
des critiques et qui incite à une grande prudence, et notamment les risques pour la santé, parce que la médecine reste empirique. Et donc là, on joue avec le génome de nos futurs enfants, et donc il faut vraiment être très très prudent. Et très probablement, on va assister progressivement à des tentatives, d'abord à des fins thérapeutiques. D'ailleurs, Jennifer Doudna, qui a obtenu le prix Nobel avec Charpentier, donc une chercheuse américaine, chercheuse française, pour le CRISPR-Cas9, considère que le CRISPR, c'est le début de la fin des maladies génétiques. Donc, c'est encore une fois un effet d'annonce. Mais, donc, ça, c'est l'aspect thérapeutique. Mais derrière ça, il y a l'aspect amélioratif. Mais évidemment, très difficile, parce que modifier le génome pour rendre le futur enfant plus intelligent, qu'est-ce que ça veut dire, ou avoir qu'il ait une meilleure mémoire. Enfin, se mettre à jouer avec le génome pour transformer le système nerveux central, enfin, c'est quand même extrêmement délicat. Donc, on ne va pas le faire tout de suite. Et si on le fait un jour, il faudra être extrêmement prudent. Moi, je suis tout à fait pour la prudence et tout à fait enthousiaste à l'idée que cela va arriver. je crois qu'il y a les deux. Un autre aspect des bienfaits de CRISPR-Cas9, c'est que il est imaginable et techniquement possible, même si ce n'est pas encore fait, qu'un couple d'hommes puisse implanter le patrimoine génétique de l'un des hommes dans un ovule, qui sera évidemment porté dans un utérus féminin. Et donc, avoir une filiation à 99% à part l'utérus, quoi. Bon, j'aime que ce soit dans le champ des possibles, ça veut pas dire que tout le monde va se précipiter là-dessus. Là aussi, comme dans les changements génétiques de l'utérus, certains, je respecte tout à fait le droit de penser « Ah non, moi j'accepte toutes les différences et je viens ce qui vient et c'est peut-être Dieu qui me l'offre. » Et puis, je connais plein de parents qui ont été qui ont considéré que avoir un enfant trisomique était une chance pour eux parce qu'ils ont rencontré vraiment la différence. Je respecte vraiment ça. Mais aussi ceux qui préfèrent ne pas avoir un enfant trisomique. Merci. Je vous propose d'enchaîner maintenant vers peut-être la dernière partie de notre échange avant ensuite de passer aux questions avec la salle et peut-être en fusionnant les deux aspects sur lesquels je voulais insister. Parmi ces techniques qui sont annoncées ou en cours d'élaboration, se trouve celle qu'on appelle soit la technique de l'ectogenèse ou encore de l'utérus artificiel. Je rappelle qu'en ce moment même, on a au moins une équipe aux Pays-Bas qui a été assez largement dotée et donc qui mène un projet qui doit aboutir. Si je me rappelle bien, on doit aller jusqu'en 2025 pour l'arrivée du projet. Donc, à un premier prototype fonctionnel d'un utérus artificiel destiné aux humains. Je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont encore. J'avais lu les articles au moment où il en a été question. Mais je me rappelle lire Henri Atlan il y a de ça assez longtemps et le lire expliquer par A plus B comment on y allait et il ne voyait pas que ce cheminement s'interrompe et donc c'est ce projet aux Pays-Bas que je rappelle montre tout le chemin parcouru et le fait que donc on n'est pas là en train de parler d'une perspective technologique pour le 22e siècle, on est en train de parler peut-être de quelque chose qui pourrait être concret dans la décennie disons à venir, à vérifier. Mais avant donc même de savoir, parce que un des travaux en fait des raisons d'être sans doute de la pensée transhumaniste est aussi d'anticiper sur ces questions-là. Imaginons donc qu'un utérus artificiel soit fonctionnel. Qu'est-ce qu'on peut imaginer que ça pourrait avoir comme conséquence, que ce soit en termes de relation à la maternité, parce que c'est plus exactement de la maternité, c'est de la relation à la maternité. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence dans la relation des genres? Qu'est-ce que ça peut éventuellement, alors là je ne sais pas du tout, avoir, est-ce que ça peut avoir des conséquences du point de vue de la manière dont on vit sa sexualité? Est-ce qu'on peut essayer de balayer cet ensemble de questions? Alors, soit en reprenant comme vous voulez.
Ouais, pour l'utérus artificiel, enfin moi je suis pour. En fait, on a beaucoup aussi depuis une nuit des temps sacralisé aussi l'utérus des femmes en fait. Enfin, être, c'est même l'élément pour moi assez central, enfin qui est fait partie même de toutes les discriminations des femmes, parce que le travail reproductif aujourd'hui n'est pas rémunéré. Une femme s'arrête pour travailler, enfin quand elle est en gestation, elle s'arrête. Parfois, elle laisse les enfants. Finalement, avec les problèmes de les difficultés de genre, c'est souvent elles qui payent le coût de la reproduction, pas les hommes. Et également des hommes aussi. Je sais qu'il y a des hommes qui m'ont approché, qui étaient en situation d'infertilité. Ils ont des six enfants, ils peuvent pas en avoir. Voilà, parce que une femme ne veut pas forcément avoir à subir non seulement ces stimulations, et également pouvoir porter pour la personne, dont et aussi pour les hommes homosexuels, de pouvoir avoir la possibilité forcément de se détacher s'ils veulent avoir un enfant sans forcément besoin d'avoir une femme. Pourquoi pas? Enfin, moi je suis très très gênée sur la sacralisation de l'utérus de la femme. Donc voilà, pour moi effectivement qu'il y ait un utérus artificiel, je dis banco, ça pourrait aider pas mal de monde. Oui, moi je suis plutôt positif mais assez prudent, parce que on n'en finit pas de découvrir en ce moment la richesse des communications entre le placenta et le bébé. On sait que ça lui apporte de l'oxygène, on sait que ça lui apporte des nutriments, ça on le sait depuis 20 ans, etc. Mais les échanges hormonaux qu'il y a entre la mère, entre le placenta et le bébé, on en découvre encore tous les jours. Donc s'ils font fait des utérus artificiels, il faudra bien mener en parallèle toutes ces études d'observation sur les échanges hormonaux qui pour l'instant sont loin d'être terminés à mes yeux. Donc... Alors oui, l'ectogénèse est aussi un vieux rêve des eugénistes. Si on voit les premiers textes de Haldane ou de l'ouvrage assez extraordinaire d'Hermann Müller, prix Nobel de médecine dans les années 30, Out of the Night, hors de la nuit, qui avait été traduit par Jean Rostand et qui entrevoit, donc qui est un réformateur, Hermann Müller est un réformateur de l'eugénisme dans les années 30 par rapport à l'eugénisme d'État classique, et considère à l'époque, donc en 1930, il y a presque un siècle, que le futur de l'eugénisme, ce sera la procréation médicalement assistée, qui évidemment à son époque n'existe pas, et aussi l'ectogénèse. Alors aujourd'hui, enfin, j'ai lu comme vous, je suis loin d'être un spécialiste de l'ectogénèse, mais j'ai lu comme vous à l'époque l'ouvrage d'Henri Atlan, et on sait qu'aujourd'hui il existe déjà des utérus artificiels qui fonctionnent, mais sur des périodes limitées. Il y a notamment une équipe en Israël qui a produit des embryoïdes. Donc là, on couple deux technologies, les utérus artificiels et la technique de dédifférenciation cellulaire qui permet à une cellule adulte de redevenir une cellule souche et de former des embryons qui sont pas tout à fait normaux. En l'occurrence, cette équipe israélienne a pour objectif, en fait, de créer aujourd'hui des embryons de souris, mais un jour, sans doute, des embryoïdes humains. Donc ça pose des problématiques parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'on crée. C'est des embryons qui n'auront pas un développement normal parce que fruit d'une dédifférenciation cellulaire, mais qui permettront peut-être une utilisation thérapeutique. Alors sur l'utilisation de l'ectogénèse pour des femmes ou des couples homosexuels, enfin, il y a toute une série de possibles. Moi, je suis encore une fois libéral et donc ouvert à ces utilisations, mais je pense que déjà dans son bouquin, Henri Atlan montrait que les féministes elles-mêmes avaient des positions différentes sur ces questions. Donc c'est des questions très 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 complexes. Je vais juste, comment dire, faire parfois même un petit peu jusqu'à l'avocat du diable quand on aborde vous diront Dieu, je ne sais pas, un avocat quelconque. Donc quand on aborde ce genre de questions, certains mettent en avant ce que tu viens d'indiquer, d'autres peuvent mettre en avant jusqu'à le fait qu'une grossesse peut être une expérience humaine extraordinaire, irremplaçable, infiniment souhaitable, et que donc ce serait trop
trop dommage de s'en séparer. Alors, vous pourrez répondre à ça. Et à l'inverse, donc je change de camp. Donc on réfléchit au fait qu'en effet il y a tout un ensemble d'échanges entre le fœtus et la mère pendant la grossesse, d'autres mettent en avant qu'il y a sans doute tout un ensemble d'éléments qui sont tout à fait positifs pour l'enfant à naître, et dans une proportion inconnue, tout un ensemble de facteurs négatifs qui peuvent être de l'ordre du stress, qui peuvent être de tout ce qui passe par en fait les déséquilibres propres à la mère, qu'ils soient innés, qu'ils soient liés à ses propres déséquilibres physiologiques, ou qu'ils soient liés à sa pratique, à son mode de vie, à son lieu de vie, que sais-je, alimentaire, lié au tabagisme, à l'alcool, etc., enfin toutes ces choses-là. Comment balancer, peut-être c'est vers cette question que je vais, comment est-ce que vous pensez que imaginons la disponibilité de la technologie, eh bien, est-ce qu'on peut répondre en tant que société? C'est un petit peu ça, hein, on se met la place en se posant la question éthique de la société. Qu'est-ce qu'on peut répondre? Est-ce qu'on doit aller plutôt vers une restriction d'une pratique de ce genre-là, ou est-ce que vous pensez qu'on peut ouvrir la vanne à ce type de pratique en disant, bon, il y a un désir, alors il faut répondre à ce désir? Oui. Oui. Moi, je ne suis pas pour ce genre de restriction. J'ai commencé ma vie sexuelle en allant avec mon ami avorter en Hollande. Je suis heureux que ce soit terminé. Peut-être que quand je choisirai de mourir, si ça arrive, je serai encore obligé d'aller en Suisse. Bon, je regrette que mon pays soit pas très avancé. Mais fondamentalement, je suis pour la liberté de choix, de choisir d'être enceinte ou de prendre une autre technique si elle est vraiment validée et solide. Moi, je sais que j'ai eu 3 enfants, ma femme était ravie d'être enceinte, c'était un plaisir, un état formidable. Je crois que c'est même le seul moment de ma vie où j'étais jaloux de pas être une femme. Parce que cette impression de plénitude, elle rayonnait, et bon. Mais c'est pas le cas de toutes les femmes. Et pour d'autres, c'est vraiment emmerdant, quoi. Donc, qui est le choix, me paraît la meilleure solution. Je suis complètement d'accord. Il faudrait qu'il y ait le choix, en fait. Effectivement, qu'une femme souhaite ne pas porter, qu'une autre souhaite porter. Moi, par exemple, j'ai été enceinte, j'ai une grossesse molaire. C'était quelque chose de très horrible, en fait. J'ai détesté être enceinte. Donc, voilà. Donc, ça aussi, effectivement, c'est là où ma réflexion aussi a été un peu plus poussée, lecture sur l'utérus artificiel. Là, je suis complètement d'accord. Il faut quand même une prudence, hein, effectivement, qu'on s'assure que la technologie soit sûre avant de mettre ça à disposition, parce que ça aussi, on le voit en procréation, dans les filles, on met beaucoup d'add-ons, ce qu'on appelle les services complémentaires que vendent les cliniques de fertilité. Parfois, c'est pas juste du tout abouti. En fait, ils ne préviennent pas les patients, en fait, de l'état, en fait, de surveillant de cette technique-là, et on voit carrément les patients qui payent, quoi. Donc, vraiment, avant de pouvoir proposer ça aux patientes, que vraiment, que ça soit sûr. Moi, c'est vraiment la sûreté. La sûreté, sûreté, sûreté. Oui, enfin, je suis d'accord avec mes deux collègues. Évidemment, la technologie n'existe pas encore, enfin, n'est pas suffisamment développée pour permettre la réalisation d'une grossesse complète dans un utérus artificiel. Mais le jour où elle sera au point, je pense que on l'utilisera d'abord probablement à des fins thérapeutiques. On trouvera bien des fins thérapeutiques. Et puis, à ce moment-là, moi, je suis libéral. Donc, à partir du moment où on ne nuit pas autrui, je vois pas en quoi on interdirait aux personnes d'avoir recours à cette technologie. Mais c'est un peu le problème de toutes les technologies liées au transhumanisme, on parle de l'homme augmenté, mais ça reste un rêve, ça reste un fantasme. Aujourd'hui, en fait, malheureusement, sans doute, l'homme augmenté n'existe pas. On le voyait dans le dernier panel avec Laurent Alexandre et Didier Cornel. Enfin, Laurent Alexandre qui disait il y a 10 ans, nous sommes la dernière génération de mortels, ou même Nick Bostrom qui, dans sa lettre d'utopie, promettait un futur tout à fait extraordinaire. Je trouve que les transhumanistes sont devenus beaucoup plus pessimistes que par le passé. Et sans doute, c'est le principe de réalité. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se réaliser. Donc moi, je suis pas, encore une fois, je suis l'ami des transhumanistes sans être transhumaniste moi-même. Mais il faut bien constater qu'aujourd'hui,
il y a beaucoup de fantasmes, mais il n'y a pas grand-chose au niveau de la réalité. Moi, je suis un homme augmenté. C'est tout bête. J'ai eu deux opérations de la cataracte. Donc, mes cristallins sont artificiels. Il y a 50 ans, j'arriverai plus à voir. Donc, je suis déjà un peu un homme augmenté. Je vais rajouter quelque chose, en fait, par rapport à l'utérus. Enfin, par exemple, il y a eu la greffe de l'utérus. Enfin, normalement, les femmes qui peuvent pas, qui ont des difficultés, on peut greffer l'utérus. Et après, il y a tout un ensemble de médicaments pour ne pas rejeter un organe. Donc, entre ça, parce qu'il y a eu ces débats aussi en France sur les femmes notamment qui ont subi une hystérectomie pour X raisons, et voilà, de pouvoir faire venir cette technique-là, en fait, ici en France, de greffer l'utérus. Mais c'est un traitement lourd, c'est également, enfin, entre ça, enfin, voilà, moi je pose la question, j'ai l'expression ouverte, entre un utérus artificiel sur lequel on peut effectivement mettre de l'argent pour avoir la recherche et rendre sûr la technologie, et une greffe de l'utérus. Est-ce que cela, on est augmenté là cette fois-ci, parce que finalement c'est un traitement qui est lourd, qui va apprendre à vivre pour éviter le rejet, et en plus ce qu'il dit, en fait, elle est utilisée qu'une seule fois, cet utérus. Une fois qu'on greffe, après on ne peut plus s'en servir. Donc, voilà. Merci beaucoup. Je vais pas répondre, mais je pense que voilà, on peut passer aux questions de la salle. Simplement, je signalerai que finalement, pour l'instant, on n'est pas trop allé, me semble-t-il, sur les conséquences éventuelles des rapports de genre. Peut-être, je ne sais pas, à travers notre débat avec la salle, on peut encore y venir. D'abord, merci beaucoup pour vos interventions respectives. C'était vraiment très très instructif. J'aimerais juste poser une question par rapport à notre évaluation éthique du coup du don de gamètes, etc. J'ai eu la chance d'assister pas mal de fois et même de rencontrer Georges David, qui a beaucoup travaillé là-dessus, et la question du secret. D'abord, est-ce qu'on peut considérer, par exemple, une évaluation éthique qui va transcender ces clivages, soit bioconservateurs, soit des aspirations transhumanistes, comme une augmentation morale ou mentale, comme aime à l'appeler Marc? Et la deuxième question, c'est pas vraiment pour, c'est pour le monsieur qui est à gauche. Comment on peut être ami des transhumanistes sans se dire transhumaniste? Et j'ai cru comprendre que dans le programme prévisionnel, le T-word, c'était un des mots ou bien un des concepts à débattre. Donc je voulais juste vous interpeller là-dessus. Si vous trouvez que la question est trop personnelle, je peux comprendre l'absence de réponse. La première question est posée davantage à qui veut répondre? Est-ce que si c'est clair? Oui. Je ne saurais pas répondre à cette question sur le secret. J'ai même pas très bien compris la première question. En fait, c'est le secret du don de gamètes, c'est ça? Le secret? Enfin, j'ai pas bien. Du coup, moi, ça m'a interpellé la question du secret dans le don de gamètes, parce que aujourd'hui, je ne sais pas, vous me corrigez si c'est pas le cas, mais on choisit normalement les gamètes en fonction des caractéristiques morphologiques d'un couple, par exemple stérile. On va pas donner des gamètes à un couple blond alors que voilà, on pourrait avoir un bébé noir, par exemple. Donc on essaie de respecter, de converger vers les caractéristiques qui sont propres au couple. Donc est-ce qu'on est déjà d'abord dans un eugénisme libéral, ou bien est-ce que c'est autre chose, ou comment on peut transcender ce débat-là éthique? Et est-ce que cette transcendance morale, est-ce que c'est une augmentation éthique? Est-ce qu'on peut parler de ce concept-là? Sur la partie secret, en fait, oui, ça dépend. Je réponds oui et non, parce que pour une personne effectivement blanche, ça serait plus facile. Une personne noire, il y a une pénurie, donc du coup, on prend ce qu'il y a. Voilà, moi, ça a été proposé de prendre les phénotypes caucasiens. Donc voilà, on prend ce qu'il y a. L'eugénisme libéral, c'est dialogia, ce que je dis. En fait, on essaye, mais en France, on va pas plus loin que Krios à l'étranger, parce que les personnes qui veulent aller beaucoup plus loin dans les critères que vous indiquiez tout à l'heure, en France, on va pas à ces niveaux-là. En fait, on va pas à ces niveaux de détails des critères. Donc, on va voir juste la couleur de peau, voilà, les cheveux, voilà, les yeux. Enfin, on s'arrête là. Alors que dans les banques comme Krios, plus on veut les critères, plus on paye cher. Après, voilà, de dire que c'est côté moral, là, je saurais pas y répondre. Enfin, pour moi, c'est, je veux dire, un peu comme Jean Noël, c'est aux parents, en fait. Enfin, on peut pas avoir un débat sur les critères que chacun va prendre sur ce qui de son partenaire. J'ai du mal à débattre là-dessus, en fait. Moi,
voilà. Après, augmenter, je ne sais pas, ou améliorer, j'en sais rien. Enfin, parce qu'on le fait déjà de manière, enfin, là, sans forcément être dans une forme d'augmentation ou d'amélioration, quoi. De choisir partenaire sur les critères. Donc, je sais pas. Je crois que sur ce point, il y a eu un petit changement légal il y a quelques années. C'est que c'est le droit à connaître ses sources pour les enfants qui ont été issus d'une procréation médicalement assistée, donc avec d'autres gamètes que les parents. Et ça, je pense que c'est un progrès, même si peu d'enfants l'utilisent, mais comme elle n'est pas rétroactive, cette loi, comme toutes les lois, on ne sait pas encore beaucoup. Ouais. Jean-Noël, pour la deuxième question, si elle est encore... chante ta mémoire. C'est moi le monsieur à gauche, c'est ça. Alors, c'est d'abord l'ami des transhumanistes, parce qu'à force de les fréquenter dans les colloques, je suis devenu le rabbi, enfin certains en tout cas. Et j'ai longtemps travaillé aussi avec mon collègue ami Gilbert Rotois, qui était lui. Et je m'en suis pas rendu compte tout de suite, en fait, parce que depuis une vingtaine d'années, on travaille sur ces questions d'amélioration de l'humain. Et ce n'est qu'après coup, presque pas tout à fait après sa mort, parce qu'il a écrit des ouvrages sur le transhumanisme à la fin de sa vie. Mais c'est très tard que j'ai réalisé que Gilbert Rotois était vraiment transhumaniste, mais dans un sens un peu différent, parce que le transhumanisme de Gilbert Rotois, c'est un transhumanisme à long terme. C'est pas devenir immortel dans une génération. C'est qu'en sera-t-il de l'homme? Dans un million d'années, c'est la question philosophique qu'il posait. Évidemment, on n'a pas de réponse à cette question parce que, comme le disait Gilbert Rotois, le futur est opaque. Mais donc moi, c'est un choix personnel. Je suis libéral et donc plutôt ouvert aux technologies. Mais je pense que chez les transhumanistes, il y a ce côté presque devoir d'amélioration et parfois aussi, pas toujours, une certaine naïveté par rapport aux technologies. Ou bien on considère trop souvent chez les transhumanistes que des technologies qui sont encore qui ne sont pas encore réalisées sont déjà là. Et donc on réalise avec des futurs, mais qui n'arrive jusqu'à présent, encore une fois. Enfin, le transhumanisme existe depuis une cinquantaine d'années. Enfin, l'Association mondiale transhumaniste, 30 ans. Mais les premiers transhumanistes, ça date des années 60. Hein. Max Mohr, FM 2030, c'est la fin des années 60. Donc, ça fait 50 ans. Et donc, il faut toujours attendre le seuil technologique. Et je posais la question à un colloque, je ne sais pas, au Maroc, à James Hughes, qui est un des sages parmi les transhumanistes. Et je dis, mais qu'est-ce que vous faites pour vous améliorer? La question que j'ai envie de poser aux transhumanistes, c'est, eh bien, qu'est-ce que vous faites pour vous améliorer? En quoi vous êtes amélioré? Ou qu'est-ce que vous faites par rapport à vos enfants? Et là, la réponse, ben, comme Laurent Alexandre l'a dit tout à l'heure, eh bien, on fait régime ou bien je fais un peu de sport. Voilà, donc c'est un peu décevant quand même. Quand on est transhumaniste et qu'on a... On n'a pas grand-chose à proposer. Et donc, encore une fois, ce n'est pas une critique parce que sans doute que les technologies arrivent, mais c'est très compliqué et c'est très lent. Donc, un jour, ça viendra. Et peut-être qu'à ce moment-là, lorsqu'elles seront là, je pense que si Pfizer crée une pilule qui nous permet de ralentir le vieillissement, mais j'irai l'acheter. Peut-être qu'à ce moment-là, je suis peut-être un transhumaniste sans le savoir, à vrai dire. Oui, voilà. Juste pour dire, je m'interdis de répondre, mais vous pouvez imaginer que j'aurais beaucoup de choses à répondre à Jean-Noël Miss. autre question, je vois une main demain. Voilà. Bonjour à tous. J'aimerais revenir sur le point de la contraception, parce que vous avez beaucoup parlé de la contraception orientée pour les femmes, mais il existe aussi des contraceptions masculines. J'aimerais savoir votre opinion justement sur le sujet. Oui. Moi, j'y suis favorable, d'abord, parce que c'est, je crois, bien dans le couple de partager cette charge mentale. Donc, le problème, la plus ancienne, c'est la vasectomie, et elle n'est pas encore réversible, donc c'est un choix important. Il y a des expérimentations sur les slips chauffants qui sont de plus en plus concluants, mais pas encore passé le stade d'une préconisation de c'est pas encore le consensus scientifique, quoi. Mais enfin, moi j'y crois assez. Et puis quoi? Voilà, pas beaucoup d'autres. Donc il y a eu tellement de recherches sur la contraception féminine depuis
presque 100 ans maintenant. Et très peu sur la contraception masculine qu'il y a vraiment quelque chose à rattraper. J'ai pas le micro, mais est-ce que je n'ai pas lu tout récemment des articles parlant justement de progrès en termes de contraception pharmaceutique masculine seulement au niveau de test, d'accord. La recherche actuellement pour les hormones, je crois que c'est hormonales masculines, c'est vraiment en Suède. Ça, on teste actuellement. Ils indiquaient 2024 pour peut-être une commercialisation. Enfin, forcément, en tant que femme, je suis pour. La question ne se pose même pas. Comme ça, au moins, on n'a pas la charge contraceptive. Donc, et voilà. Et en plus, pour moi, la procréation, elle doit être portée individu. Est-ce que j'ai un désir ou pas? C'est chacun doit être responsable de son propre impact, notamment s'il veut se reproduire ou pas. C'est pas la femme de pouvoir porter ça, en fait. Également l'homme et la femme. Merci. Alors, trois petites réflexions. La première sur le principe de libre choix individuel, que les adultes déjà nés choisissent pour eux-mêmes, ça passe. Que des adultes choisissent pour les non encore nés, les enfants, la couleur des yeux, la taille, tu veux que l'enfant fasse du basketball, ainsi de suite. Est-ce que nous ne sommes pas en train d'aller trop loin? Quand je dis nous, en nous installant, et je sais que Makuru voudrait bien qu'il y ait un corpus transhumaniste, de vision transhumaniste, sur lequel à peu près la majorité est d'accord, même si c'est difficile. Mais en voilà un. La liberté, ne la prive-t-on pas? On ne prive pas ceux qui doivent naître de leur liberté? Est-ce qu'on va continuer de dire tous les hommes naissent libres, égaux en droit? D'ailleurs, les gens oublient que c'est en droit. Libre, égaux, on n'est pas. On est comme on est, avec une petite taille qu'on ne dépassera pas. Mais les parents doivent-ils effectivement se mettre à la place des enfants? Quid de la question du destin? On va me dire, oui, ça concerne les croyances, les religions, etc. Mais en philosophie aussi, la notion du destin est là, qui suppose le hasard. Je suppose le petit hasard. J'étais sensible tout à l'heure quand Sandrine disait que une maman ou un papa disait, oui, il faut quand même un peu laisser ça au hasard. Et bon, voilà la première question concernant le principe. Maintenant, une ouverture sur ouverture. Vous n'avez pas évoqué cet aspect, je vais l'amener dans le domaine de la séparation, la sexualité et la procréation. Le mouvement post-genrisme. Le post-genrisme veut supprimer ce qu'ils appellent le binarisme, homme-femme, genre masculin-féminin, et qui s'engage déjà à préparer dès la maternelle le jeu des enfants, parce que les filles jouent les jeux des hommes, les garçons jouent les jeux des filles. Ça se fait déjà, peut-être sans une référence au transhumanisme. Mais je sais, pour les lectures que j'ai faites, que le mouvement post-genrisme se réfère un peu du transhumanisme, puisque se fonde sur la science, sur la technologie. Il faudrait prendre les meilleures caractéristiques féminines, les meilleures caractéristiques masculines, pour constituer un nouvel être. Et un nouvel être qui n'est plus homme, qui n'est plus femme. Ça, c'est un problème qui existe. Est-ce que le transhumanisme fait sienne cette orientation? Et je voulais vous entendre sur le plateau sur ces questions-là. Merci. Je peux essayer de répondre à la première question de Joe Mouelé. En fait, l'argument que vous défendez, c'est l'argument d'Habermas, à savoir que un adolescent qui aurait été transformé génétiquement à la naissance pourrait reprocher à ses parents de l'avoir transformé et ne pas avoir respecté sa liberté et son intégrité. Ce que, de mon point de vue, ne voit pas Habermas, c'est que, encore une fois, la technologie change la donne. Tant que la technologie n'existait pas, le problème ne se posait pas. À partir du moment où la technologie CRISPR-Cas9 ou d'autres technologies permettant de recombiner l'ADN du futur enfant, si cette technologie existe, il faut bien que quelqu'un prenne la décision de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser. Et donc, si vous ne l'utilisez pas,
vous aurez aussi des comptes à rendre aux futurs adolescents qui pourraient vous reprocher de ne pas l'avoir utilisé. Et donc, la technologie change la donne et l'enfant, enfin l'embryon en l'occurrence, ne peut pas prendre cette décision. Donc, soit c'est la société qui prend la décision pour l'enfant, par exemple par un moratoire sur toute modification génétique de l'embryon, soit ce sont les parents, et moi je suis favorable à ce que ce soit les parents. Ouais, pour répondre, la question effectivement, c'est l'enfant peut reprocher aux parents. Enfin, les parents font déjà des choix. Enfin, moi, je fais le parallèle, ils font déjà les choix sur la vie de leurs enfants, sur les études qu'ils vont faire. Sur les enfants parfois le font via ce reproche-là aujourd'hui, quoi. Donc, je suis complètement d'accord avec Jean-Noël, quoi. Donc, si la technologie existe, effectivement, si finalement ça améliore quelque chose, l'enfant reprochera quelque chose aux parents. De toute façon, les adolescents ont toujours quelque chose à reprocher aux parents. Donc, que ce soit la technologie ou autre chose, ils vont toujours reprocher. Donc, après, pour la deuxième point sur le post-genrisme, effectivement, pour moi, déjà, je milite déjà pour de supprimer les genres féminins et masculins, parce que pour déterminer le genre social, il y a le l'hormonal, génital et deuxième, troisième, c'est voilà. Donc du coup, c'est difficile effectivement de déterminer le genre effectivement de la personne. Donc pour moi, voilà, cette notion d'enlever le genre masculin féminin, je suis pour, en fait, on se définit comme être humain, et même ça résoudra beaucoup de problèmes, parce que dans la loi de Boétique, on s'est tiré les cheveux, notamment une femme, et on dit mais il y a une femme trans, on fait comment des femmes trans, de toute façon que pour moi il faut ouvrir effectivement tout le désir en fait de procréation et doit être ouvert à tout le monde. On est humain, c'est tout. Donc voilà. Et pour moi, voilà, de sauter ça, on résout pas mal de soucis et ça éviterait d'alourdir la loi sur les non-binaires, sur les personnes qui sont unisexes. Ça simplifie beaucoup de choses d'enlever ça en fait, féminin et masculin, pour moi. Merci. Je vais prendre que la deuxième question. D'accord. Moi, je suis très enthousiaste à ce qu'il existe des intersexes reconnus comme tels, des gender fluides, des bigenres, etc. Et je crois que ça a toujours existé. Les hijras en Inde, c'est 1 million de personnes. Les Katoy en Thaïlande, c'est 200 000 personnes. Simplement, c'était invisibilisé. Et maintenant, dans l'autre sens, les vierges sous serment en Albanie, ça existe depuis 300 ans. Mais on n'en parlait pas. Et maintenant, tout d'un coup, on en parle beaucoup plus. D'abord parce que ils revendiquent d'être reconnus comme tels. Alors la question que certains posent maintenant, c'est est-ce que ça fait pas de la propagande de fait? Et est-ce que il n'y a pas des adolescents qui vont se poser la question, est-ce que je suis d'un autre genre que le mien, que celui qui est déclaré, alors qu'ils ne le ressentaient pas avant d'avoir lu tous ces articles? La question est pertinente. Je crois que dans les gens qui ont fait des transitions de genre, il y en a 1 sur 16 qui revient au genre initial. Ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire que ceux qui ont fait une transition de genre et qui finalement ne se sentent pas à l'aise, et les transitions de genre ne sont la plupart du temps pas chirurgicales, hein. Chirurgical, c'est beaucoup plus dur de faire une marche arrière. Mais la plupart des transgenres ne font pas d'ablation du pénis ou de création d'un néopénis. Et bien, s'il y a une marche arrière, pourquoi pas? Ça veut dire que j'ai expérimenté quelque chose dans ma vie. Moi, je suis plutôt en sympathie avec ça, avec ce mouvement. Sur ce point, je vais me permettre un bref complément par rapport à ce qui a été dit, parce que ça fait 2 fois que j'étais un peu interpellé en tant que transhumaniste. Mais donc vraiment, ce que je dis, c'est juste pour compléter, pour ajouter des éléments. Il me semble que dans cette interrogation, il manque quelques points de réflexion. Je veux dire par là que quand on
subi, oui, en tant qu'enfant, à partir du moment où on naît, jusqu'à, on peut le mettre là où on veut, mais jusqu'à l'âge de 15 ans ou à l'âge de 20 ans, on subit plutôt une éducation, il y a un certain nombre de facteurs qui deviennent irréversibles. Des choses toutes simples, naître dans un environnement linguistique donné, je me suis posé la question, parce que voilà, j'ai des enfants qui sont à cheval sur deux langues, et j'ai appris qu'au-delà de 7-8 ans, la grande majorité des personnes ne peuvent plus à entendre de nouveaux sons. Le cerveau se verrouille un minimum. Alors, il y en a qui ont la chance de garder une oreille musicale qui font que ça leur est facile d'apprendre encore des accents, notamment. Mais pour la grande majorité des adultes, mais en fait, très rapidement, après l'adolescence, eh bien, on n'entend plus les sons. Et bon, par exemple, la plupart des personnes apprenant une langue étrangère gardent leur accent originel, n'arrivent pas à reproduire l'autre accent. Donc, on fait un choix en décidant. On ne décide pas en fait, on est juste dans son milieu culturel, linguistique, et c'est un choix verrouillé et quasiment irréversible. On ne se pose pas la question à ce moment-là de savoir si c'est bien, c'est pas bien, mince, j'aurais peut-être dû élever mon enfant dans un contexte chinois, que sais-je, ou cubain ou autre, pour lui donner plus de choix. Non, il y a déjà des choix qui sont faits de fait, et encore une fois, ce sont des choix irréversibles. Et je pourrais citer d'autres choix qui en sont davantage, parce qu'on va me dire, mais la langue, on ne la choisit pas vraiment. Mais à partir du moment où, par exemple, pendant 15 ans, 20 ans, vous, depuis l'âge de 4 ans, 5 ans, vous décidez que votre enfant va devenir un pianiste virtuose ou une gymnaste, donc il va faire les Jeux Olympiques, eh bien, dans le corps, il se passe des choses qui, même si la personne ensuite, à l'âge de 15 ans, 20 ans, que sais-je, décide d'abandonner, de faire une autre vie, elle ne va pas pouvoir effacer complètement tout son parcours. Ça, c'est un premier point. Donc, il y a déjà des choix irréversibles qui sont faits. Et à l'inverse, quand on se pose ce type de questions, il me semble qu'il y a une contradiction, en fait, dans la question qu'on néglige. Parce que on dit, c'est terrible, donc on va imposer à l'enfant à naître, encore une fois, il n'est pas encore né, mais on va lui imposer des choses qui vont être irréversibles, on ne devrait permettre ce type d'intervention que sur des adultes. Mais ça sous-entend qu'on considère que vont devenir possibles des technologies qui, pour les adultes, vont donc pouvoir modifier jusqu'à des caractéristiques du génome. Si on considère que ces adultes vont pouvoir le faire dans le sens d'un choix, pourquoi on oublie que des enfants qui seraient nés après un choix parental ayant donné une certaine orientation génétique, pourquoi, puisque la technologie serait là, ces mêmes personnes ne pourraient pas choisir de revenir en arrière alors sur les choix de leurs parents? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il me semble que là, dans ce cas-là, en fait, on n'anticipe sur une réversibilité possible. Et donc, du coup, on n'est plus dans cet argument, ou plutôt cet argument de dire, on va empêcher l'argument de Habermas, on va empêcher la liberté parce qu'on va condamner ces personnes à vivre leur prédétermination par leurs parents. Cet argument, il tombe deux fois. Pardon. Moi, je voulais juste ajouter quelque chose. Je suis un peu très sceptique, sinon très critique avec le concept de post-genrisme et transgenrisme. Pour moi, je pense que, même en tant que défenseur des idéaux transhumanistes, je pense que ce sont des questions de sexualité qui se rattachent à l'amour. Et c'est des questions très complexes. Je ne serais pas favorable qu'une société ou qu'un pouvoir politique veuille orienter, dès l'éducation bas âge, en tout cas orienter unilatéralement, ou bien de manière... transgenre ou entre guillemets, je ne suis pas très d'accord. Je préfère peut-être qu'on donne la possibilité aux gens de suivre une éducation normale, d'évoluer jusqu'à un âge adulte, peut-être normal entre guillemets, mais d'évoluer jusqu'à un âge adulte et d'avoir le choix d'être transgenre, d'être postgenre, de choisir qu'est-ce qu'ils veulent en termes d'orientation sexuelle. Parce que pour moi, je pense que c'est trop complexe pour orienter ça dès l'enfance. Ça, c'est mon avis. Lorsqu'on est hétérosexuel, on ne se pose pas la question de son hétérosexualité. Enfin, c'est la même chose pour quelqu'un d'homosexuel. En fait, il est homosexuel. Ah. Ouais. Une personne est... La norme, enfin, c'est l'hétérosexuel. Non, on ne la pose pas, en fait. Enfin, une personne est homosexuelle est comme nous, en fait. Elle est juste homosexuelle. Donc, elle a le droit de vivre sa sexualité comme elle entend et l'exprimer comme elle souhaite. Moi, je suis... cis, une femme cis, hétérosexuelle, donc du coup je suis dans la norme en fait, donc je ne subis pas d'oppression par rapport à ça. Pour moi, je suis vraiment une fervente de l'expression de chacun dans son individualité, sa singularité. Il faut laisser les gens vivre, enfin exprimer ce qu'ils veulent être
et la société doit pouvoir y répondre pour qu'elles ne se sentent pas oppressées ou discriminées par rapport au choix qu'elles souhaitent. Après, on se définit comme on le veut. Moi, je me définis comme je le souhaite et je ne veux pas que quelqu'un me définisse différemment. Voilà, et ça c'est très important. Si une personne veut s'identifier en tant que trans, une femme trans ou un homme trans, le laisser se définir comme il le souhaite et comme il entend, et que la société, le pouvoir y répondre. Après, pour la partie trans, enfin l'adolescente, de toute façon c'est compliqué pour faire même accéder aux hormones, pour faire une transition pour le trans, c'est très très compliqué. Enfin voilà, ça se fait pas comme ça. Il y a un processus, il y a des psychologues qu'il faut voir. Enfin il y a énormément de rendez-vous, donc faut pas croire que la transition entre cis et trans se fait automatiquement, enfin rapidement quoi. C'est un processus long pour s'assurer avant de prescrire les hormones à l'adolescent ou famille. Après, pour moi, je fais confiance souvent assez à l'humain, à son intelligence. Il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Enfin, parfois, il peut se tromper, mais qui ne s'est pas trompé dans sa vie ou voilà. Enfin, je veux dire, si après, comme il a dit très bien, s'il a pris les hormones après qu'il veut revenir, il a juste arrêté les hormones. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Voilà. C'est après, voilà, on s'est défini comme on le souhaite, et c'est pas aux autres de définir, nous définir, quoi. Et aussi d'arrêter de regarder, d'avoir le regard en tant que hétéronormé. Il faudrait qu'on sorte de l'hétéronormativité, en fait. Voilà. Ça m'agace un peu, ça. Je rajoute un petit mot. On a parlé de trans, mais il y a aussi la reconnaissance des gens intersexes. Il y a quand même à peu près 3 personnes sur 1000 qui naissent avec un sexe indéterminé. Des fois c'est à la fois une vulve et un micro-pénis, et l'attitude de la médecine en pensant que c'est bien, enfin jusqu'à ces dernières années, que c'est bien pour l'enfant d'être normal, c'était d'assigner à un des sexes, et c'est plus facile pour un chirurgien d'assigner au sexe féminin. Mais maintenant les intersexes disent mais non, on n'est ni l'un ni l'autre, merde. On a droit à notre singularité. Voilà. Merci Jean-François, merci Sandrine, merci Jean-Noël. Nous allons nous arrêter là pour cette table ronde très intéressante à mon avis. Merci encore.